Dès qu'il est là, j'ouvre la porte, fonce, go, go, go. Je vais vous montrer comment je m'échauffe. Et là, c'est reparti. Nouvelle vidéo, je fonce, vite. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oh, j'espère que vous portez bien. Eh, vous savez quoi, eh, vous m'avez manqué depuis le temps. Je vous ai fait qu'une seule vidéo pendant tout ce mois du Ramadan. C'est pas bon ça, il faut que je vous en fasse plus. Mais là c'est bientôt la fin, il reste plus qu'une semaine. Bon les mecs, pendant tout ce mois je vous explique un petit peu comment je marche, comment je fonctionnais. J'essayais de manger léger pour la quand je cassais le jeûne. Et du coup après j'allais m'entraîner. Je faisais une fois, je faisais haut du corps, une fois bas du corps, et là on est sur le bas du corps. Je vais vous montrer comment j'ai mis en place un petit peu sans aller à la salle. Vous allez voir que j'ai réussi à avoir des sensations au niveau des jambes, et même une fois j'ai eu des courbatures. Bon, faut mettre de l'intensité bien sûr derrière, et par contre la séance est complètement différente à celle que je faisais d'habitude, que je fais en salle. Ok, là en fait en gros, bah, je vais vous expliquer, tiens vous êtes là, je prends mon temps, je vais vous expliquer le temps que mon pote Brahim s'échauffe. Du coup en salle je commence à chaque fois par aller, surtout quand je fais les jambes, je commence par le squat. Et là du coup en fait je vais le faire à la fin vu que j'ai pas énormément de poids. Donc du coup en fait tout le début de séance va me servir de pré-fatigue pour que quand j'arrive au squat j'ai pas mal de ressenti avec une faible charge. Ok, mais je vais vous montrer tout ça, vous allez m'accompagner. Pour l'instant on va se chauffer, on va courir, il caille un peu. Hein. Et Avril te découvre pas d'un film mais ce qu'il te plaît, bah mais on fait pas ce qu'il te plaît. Là vous allez voir, je sais pas si vous voyez, il s'entraîne là-bas, caché, quelqu'un qui court. Bon bref, allez, je vous dis à tout de suite les gars. Ça me fait plaisir de vous retrouver, hein. Vous m'avez manqué un peu. Hein. À tout de suite. Bon les gars, alors c'est parti pour le premier exercice. Premier exercice, ça va être fente, marcher jusqu'à là-bas de l'autre côté de la barrière. On a environ 20 mètres. Chaise, 20 secondes. Après les 20 secondes de chaise, on revient ici. C'est déjà ma 5e série, ok? Let's go. Je prends pas le panneau, hein, ouais. Mets-toi en face de moi, essaye de courir, bref. Cours, 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 sois en face de moi. Bien sûr, on contrôle le mouvement, hein. Pas trop fort les genoux sur le sol. Hein. Là, si ça tire un peu, c'est parce qu'on est déjà à la 5e série. Allez, 20 secondes de chaise et on repart de l'autre côté. Allez, comptez avec moi les gars, motivez-moi là. Caray. Quelle idée de faire ça à minuit, Brahim. 5, 4, 3, 2, 1. Why? Oh putain. Oh les mecs, c'est pas une vie de faire ça minuit. Bon, normalement je dois être avec. Donc voilà, ligne de récupération, pas plus. Et on passe à notre exercice. À tout de suite, à tout à l'heure, tu connais. Deuxième exercice. Là vous avez vu les fentes, chaise, fente, allez, chaise et fente retour. Là on va faire du squat, c'est un genre de gobelet squat revisité avec un parpaing à du chantier. Et après pistole, assister avec les mains. Je vais vous montrer tout ça. Et tout ça, on n'est pas encore arrivé au squat. Imaginez qu'on va arriver au squat. Alors, on fait son plus beau squat, bien sûr. Vous connaissez hein, le protocole. Pied largeur des épaules. On descend doucement, on écarte les genoux. Et on aide le droit et on remonte. Là, vu que c'est léger, ça va être 15 kg. Je termine pas complètement le mouvement pour les muscles qui sont toujours sous tension. Ça veut dire qu'en fait, je vais pas venir ici et relâcher complètement, d'accord? Donc c'est pour ça que mon mouvement, il n'est pas fini quand je monte. Et là, on compte pas, hein, on va jusqu'à l'échec et jusqu'à ce que ça brûle. Désolé pour le bruitage, les gars. J'ai diminué.
Après. On vient ici. Suis-moi, caméraman. J'espère qu'avec le vent, vous arrivez à m'entendre quand même. Hein. Après, pistole. Ok. Bien sûr, on cède le moins possible avec les mains. Et le top du top, c'est le faire sans les mains. Et j'arrive pas encore à faire comme ça. Il faut que je m'entraîne un peu. Mais... on essaie d'aller pareil à l'échec. 6-6 de chaque côté. Et parfait. Et bon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, on aura les squats. Allez, encore un ici. Un ici. On est parti pour 4 séries, les gars. C'est pas évident. J'ai encore là. La soupe dans le ventre, mais bon, on va s'accrocher, on va essayer de tout donner. À tout à l'heure pour un nouvel exercice. Yeah. Bon les gars, si je compte bien, c'est le compte y est, on est à la troisième exercice. Il est comme d'habitude, hein, c'est la nuit nocturne, tu connais. Donc troisième exercice, avant de passer au squat et au soulevé de terre, jambes tendues. On va prendre le poids qu'on avait tout à l'heure pour le squat et on va monter avec une jambe sur la box et on alterne à chaque fois. Ok les gars, donc du coup, vous avez différents levels. Tu connais, on va pas aller dans le plus bas, mais ni dans le plus haut. Ça va, il est minuit, on se calme. Hein. Et youp, on fait 6 d'une jambe et 6 de l'autre. On essaie de pas trop prendre d'élan avec le pied qui est à contact avec le sol. Hein. Si avec tout ça, j'ai pas entretenu mon squat à la reprise des salles là, je comprends plus rien les gars. Ouais, encore 4. Ok. On part pour 4 séries. Et après, je vous montre le squat super set avec les soulevés de terre, j'ai entendu. A tout à l'heure les gars, si je suis encore vivant. Ouais. Ça y est, on est parti sur un exercice, on a fait les fentes. Deuxième exercice. Squat, gobelet squat avec le poids qu'on a vu et comment ça s'appelle l'autre là, pistole. Après j'ai fait montée de boxe avec aussi encore le poids de chantier, environ 15 kg, je crois 6 kg. Et maintenant le bouquet final, super set avec le squat, soulevé de terre, jambes tendues. Bien sûr, j'ai besoin de mon assistant pour mettre la barre sur le dos. Monsieur Brahim, assistant. Vas-y, attends, non, je me mets devant. T'en recules un peu. Tu es prêt? Oh. Ouais. Tu me la poses doucement sur la barre. Ouais. Comme la dernière fois, tu m'as soulevé à 3 avec moi. 1, 2, 3. Bon les gars, vous amusez pas à faire ça chez vous. Hein. Soyez accompagnés. Donc là, comme c'est léger, là il y a 26 et 26, ça doit faire environ 52 kg avec la barre, on va dire 52 kg. Je vais travailler doucement en tempo. 3 secondes pour descendre, on reste 1-2 secondes en bas et 3 secondes pour monter, ok? Et vous voyez la pré-fatigue avec tout l'exercice que j'ai fait derrière. Honnêtement, je vais retirer le tempo et je vais aller en mode classique. Et 10. Vas-y, Brahim, c'est bon? Là, pareil, j'ai besoin de mon assistant. Il reste en bas, il va me la protéger. Et maintenant, super set, on passe directement au soulevé de terre, j'ai entendu. Soulevé de terre, j'ai entendu. Je mets ça pour avoir une plus grosse amplitude. Ok, les cocoricos? N'hésite pas à bouger un peu, Yacine. Comme ça, tu as différents angles. Hein. C'est un nouveau caméraman, les gars, hein, que j'ai là. Là les gars, je vous raconte pas avec tout l'exercice d'avant là. Je le sens direct. Allez, encore une.
Waouh. Ok. Ouh, 3 minutes de récup. Et on part sur 4 séries. Waouh, ça pique, vous avez vu? Ouh, à tout à l'heure les gars, je vous reprends. Je vais vous la filmer. Mais cette fois-ci, le caméraman il va prendre tous les angles. Ouh. C'est bon. Wow, Brahim. Ouais. S'il vous plaît, assistant. Watch. Attends, je descends, attends, je descends, frérot. Attends. Ouh, merci, frérot. Merci. Ah, vous avez vu, les gars. Ouh, ça pique. C'est fini pour moi aujourd'hui. Je vous reprends après. Bah, les gars, j'allais partir sans faire le soulevé de terre, j'ai entendu. Pareil, là, le caméraman va tourner tout autour de moi, comme ça, vous allez voir le mouvement. Toujours avec les 25 et 25 kilos. C'est parti, ce sera le dernier, après je rentre chez moi. C'est parti. On va tout donner. Ah, encouragez-moi derrière l'écran. Bon. Allez Bouboune. Bouboune. Bon. 25 minutes, fin de la promenade. Tous en cellule. Waouh, wow, remonte à 6 sur des abdos. C'est fini, il y a les mecs qui vomissent. Bon les mecs, la séance est finie comme d'habitude. Je vous reprends juste après. Vous avez vu la motivation, 1h du matin. On s'entraîne. Donc si après les gens me disent que je suis pas motivé, vous cassez pas la gueule. Ouais, je vous reprends après les mecs. Merci caméraman. A few moments later. Bon les gars, je vous reprends. On est le lendemain de la séance d'hier. Vous avez vu, c'était quelque chose. Hein. J'ai bien envoyé. Hein. Je pense que j'ai fait ce sera la dernière vidéo que je ferai sur un training nocturne. Je vous ai montré le haut du corps, là, vous avez montré le bas du corps. Vous avez vu, juste avec peu de matériel, voire pas du tout, j'ai réussi quand même à avoir des bonnes sensations. Là on est le matin et j'ai déjà des courbatures. Je voulais partager avec vous, j'ai reçu, vous savez très bien, là, bientôt les salles vont réouvrir, là, le ramadan est fini, donc là, il fallait préparer la guerre. Donc, je vous ai montré un petit peu les compléments alimentaires que j'ai pris. Et je vais ouvrir ça en direct avec vous. Je suis parti chercher le paquet ce matin. Il y a dedans protéines. J'ai pas pris de BCA, cette fois-ci, j'ai pris des EAA et créatine. Moi, je commande généralement dans le site, sur le site Yamamoto Nutrition. C'est un site qui est pas mal, je kiffe leur univers. Vous avez pas mal de labels de qualité sur les produits. Et en plus les packagings sont aussi hyper sympas. Donc voilà, j'ai recherché un petit peu sur internet à chaque fois le site où vous pouvez trouver des compléments vraiment de qualité. Et je tombe là-dessus plusieurs fois. Donc là, oh, vous avez vu mon packaging. Donc là au niveau de la prod j'ai changé. J'ai pris de la prot hydrolysée, donc on verra ce que ça va donner. Apparemment c'est la protéine qui est de meilleure qualité, donc je vais voir ça. J'ai pris goût vanille, comme ça je vais pouvoir le mettre dans mes smoothies, tu connais. Ça, c'est ça que j'ai pris aussi, essentiel amino énergie, c'est les EAA. Donc j'ai changé, j'ai remplacé les BCA par ça. La différence c'est que dans les BCA vous avez 3 acides aminés, dans celui-là vous avez 9 acides aminés. De toute façon, je vous laisserai sur internet envoyer un petit peu la différence, lequel est le mieux adapté pour vous, ce que vous recherchez, ok? Et bien sûr, la créatine, j'en avais plus non plus, donc j'en ai repris. Pendant tout le mois du ramadan, je vais essayer de reposer un petit peu, on va dire, tout ce qui est complément alimentaire, j'ai tout stoppé. Je me suis dit, bon, bah, autant profiter pour faire un petit reset aussi par rapport au complément alimentaire. Donc là, j'ai tout repris. Là, j'ai repris deux pots de essentiel amino, ça fait 4. Voilà, super. Je crois que j'en avais un qui a été offert. Donc voilà, donc comment vous dire, alors là je suis motivé comme jamais, ça va envoyer.
Et aussi, il y a une raison pourquoi j'ai pris tout ça avant, je ne prenais pas trop les compléments alimentaires. Mais il y a un petit projet qui se prépare, mais ce sera une petite surprise, on verra ça plus tard. Petit à petit, les gars, je ne vais pas tout vous donner maintenant. Bon, j'espère qu'en tout cas, les entraînements que je vous ai filmés, là, les trainings nocturnes, ça vous a plu. Et puis voilà, je pense que la semaine prochaine, on va repartir sur des vidéos à la salle. Vous allez revoir l'Offre Prodige et Damien. Il y aura des nouveaux personnages qui vont rentrer en action, qui vont rentrer dans la chaîne Moon Story. Et puis voilà, donc, merci encore à tous ceux qui me donnent de la force, qui me suivent, tu connais. Maintenant, je commence vraiment à prendre du plaisir à faire une vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Moon Story, les gars. Péao! Merci, frérot. C'est un bon caméraman, Yacine. Il a le style coupé. Ouais. T'as déjà filmé dans des mariages?